Alors moi, c'est Marcus Dupont-Bénard. Je viens, comme Jeanne Lévédère, d'une formation en sciences politiques, Master 1, Master 2 en sciences politiques. Et à l'heure actuelle, je travaille dans le journalisme. Je suis journaliste pigiste. J'écris par exemple pour Ciel Espace ou Le Monde Diplomatique. Je suis aussi blogueur pour le Huffington Post sur des sujets qui vont toucher aux sciences, à la tech, mais aussi aux littératures de l'imaginaire, surtout la science-fiction. Donc moi, je suis étudiante en sciences politiques. Je viens de terminer mon master en septembre et je suis aussi journaliste à mes heures perdues. J'ai travaillé notamment, j'ai fait de la radio, j'ai fait aussi un petit peu de contribution pour un journal étudiant. Et l'année dernière aussi, j'ai commencé la revue Anticipation avec mon collègue Marcus. Alors l'idée vient de Marcus à la base. Mais c'est une idée qu'on a construite aussi beaucoup à deux. Au départ, c'était très très vague, on ne savait pas trop ce qu'on voulait, on était tous les deux, on était en master ensemble et on s'est rendu compte qu'on était tous les deux fans de science-fiction, qu'on aimait beaucoup se questionner sur le futur, sur les nouvelles technologies, les sciences et comment elles pouvaient modifier l'humanité. Et Marcus m'avait proposé du coup de participer à un projet de revue là-dessus. Et moi, j'étais complètement partante et au fur et à mesure, on a commencé à créer le principe de la petite revue livre et de... l'idée d'utiliser la science-fiction aussi comme un vecteur d'interrogation du futur. La science-fiction, mais également aussi d'autres... on a aussi demandé à d'autres contributeurs, comme des scientifiques, des philosophes, et d'essayer d'aborder un thème à chaque fois et de le questionner, de questionner son avenir, en quelque sorte. La première chose qu'on avait en commun avec Jeanne, c'était une volonté de travailler dans un journalisme d'enquête. Donc l'enquête, c'est-à-dire un travail de fond, de temps long. Et cette volonté journalistique a rencontré notre passion, notre intérêt pour le futur, la science-fiction. Donc le format vient de cette rencontre entre ces deux points qui semblent assez éloignés en France, la science-fiction, le futur, et le journalisme. Donc finalement, nous, on s'est dit, on va se différencier d'Usbek Erika, même si Usbek Erika fait déjà dans la science-fiction, fait dans ce mélange entre tech et SF, mais Usbek Erika, ils vont traiter plusieurs sujets dans leur numéro autour d'une même thématique. Ils vont avoir différents articles, où Oui Demain, par exemple, fait aussi un peu cette même chose. Nous, ce qu'on voulait, c'était nous concentrer sur un seul et même sujet à fond. Au cours de 120 pages, on ne traite que ce sujet. Il n'y a pas d'article, c'est un seul et même texte avec des interviews, questions-réponses conservées intégralement, histoire que ce ne soit pas le journaliste qui prenne position, mais qu'on valorise des points de vue et que cette multiplicité des points de vue permette de construire un archétype du futur. Un peu comme un architecte, lorsqu'il construit une maison, il va dessiner cette maison avec des petits points, des traits, et ça va, avec ce dessin, ça va construire petit à petit un ensemble cohérent, un archétype. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette enquête. Pour le premier numéro, on avait envie de traiter quelque chose un peu en avant sur notre temps et qui était émergent. Il s'avère que le transhumanisme, c'est quelque chose que pas grand monde connaît lorsqu'on dit le mot, mais en réalité, c'est déjà extrêmement présent, notamment aux États-Unis ou du côté de la Silicon Valley. Le transhumanisme, c'est ce qui anime des gens qui créent des sites Internet extrêmement importants dans nos vies, comme Google ou Facebook. Mais derrière ces outils qui sont partout dans notre vie, il y a une idéologie derrière. C'est l'idéologie transhumaniste, qui est une sorte de valorisation de la technologie comme outil qui va permettre à l'humanité de s'augmenter, d'être meilleur, d'être plus grand, de concurrencer les intelligences artificielles. Parce qu'il y a cette idée de concurrence dans le transhumanisme, une peur de l'IA, donc la volonté que l'être humain égale la machine. Et derrière tout ça, il peut y avoir des dérives politiquement dangereuses. La question des interviewés s'est faite au fur et à mesure de la revue. Au départ, on ne savait pas vraiment, on avait quelques noms, quelques personnes, comme par exemple Natacha Vitamore, qui venait de façon assez évidente, parce que c'était une des grandes du mouvement transhumaniste. Mais au fur et à mesure qu'on s'est construit une réflexion nous-mêmes sur le thème du transhumanisme, qu'on pensait maîtriser à la base, et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on découvre toujours des choses dessus, et on a trouvé du coup des nouveaux contributeurs, comme
comme par exemple des critiques du mouvement transhumaniste, comme Alain Damasio, par exemple. On a aussi, ou Natacha Polony. Voilà, l'idée, ce n'est pas d'agiter un chiffon rouge, de dire attention, on va tous mourir à cause des transhumanistes. L'idée, c'est de dire attention, ce mouvement est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Voici leurs idées, voici les problèmes que peuvent poser ces idées, et informer, en fait. C'est l'idée d'une enquête journalistique, donc notre objectif numéro un, c'était informer sur ce qu'est ce mouvement et ce vers quoi il peut nous entraîner.